C'est mes données c'est mes stats, hein. Donc voilà, donc non, faut juste comprendre que SFR ça doit être de la merde, j'en sais rien. Voilà. Normalement, c'est la connexion minimale, c'est la connexion qui est très bonne pour faire du live, mais bon, là ça veut pas, voilà. Tout simplement, ça veut juste pas. Ça me casse les couilles. Je mange un petit coup, j'ai pris la chainmail. Donc regardez comme je le disais. Hein. Voilà. On a tué ce boss, du coup on peut aller un peu explorer. En essayant de pas prendre de dégâts. Donc en fait taper des blocs qui servent à rien. Ça peut taper ces blocs là, essayer de les creuser, ça fait perdre des points. Ça fait perdre des coins multipliés. Mais des coins multipliers. Alors regardez, là il y a un petit bonus. Ah mais on peut pas aller chercher. On va venir à ce niveau. Là pour rentrer dans le niveau il faut impérativement le briser. Alors là il y a un gros ennemi. Ça recommence cette drop frame, hein. T'as l'air de se calmer, mais bon. Alors on va check un peu ce qu'il y a sur la map aux alentours. Là, si on avait des bombes, ce serait cool, hein. Oui. Oh la vache, oui, il tape en diagonale, c'est vrai, faut réfléchir en plus, c'est abusé. Ça devient compliqué comme combat, ça. Hein. Voilà, on peut aller spend des... Voilà, pour acheter le shield. Et puis on peut recommencer. Alors on peut aller sur le chapitre 2 si vous voulez. Mais on va essayer de finir ce boss, hein, parce que ce boss c'est pas évident. L'Obsidian Sword. Qui fait plus de dégâts. Hein.
Ah! Intéressant! Donc là, mon épée est activée maintenant. Elle va faire plus de dégâts automatiquement. Donc c'est l'Obsidian Sword, hein. Elle fera du coup peut-être deux fois plus de dégâts, je sais pas exactement. Voilà. Donc regardez, le boss m'a droppé 35 coins. Pa-pa-da, pa. Alors cet item là est extrêmement bien. Voilà, et le leather armor peut être extrêmement pratique aussi. Dites-vous, au début, au tout début du jeu, vous commencez avec deux cœurs, les gars. Normalement, si vous commencez vos premières parties, vous êtes avec deux cœurs. Yes! Donc, tant qu'on reste au rythme, en fait, tout va bien. On perd pas de coin multiplier, etc. On perd pas ses bonus. Il y a son arme. Bah, ce jeu est excellent. Hein. Ce jeu est vraiment excellent, Captain. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, on voit ce qui est bien avec l'œil, en fait. Avec le monocle, pardon. C'est qu'on voit en fait le... On voit ce qui se trouve dans les coffres en fait. J'ai pris très cher pour rien. Donc Ring of Gold. Donc on va gagner plus de gold en fait avec cet item. C'est vrai. Alors le Ring of Gold nous permet de récupérer les golds apparemment plus loin. Alors voilà, ça c'est la map un peu chelou. Pareil ici. Là-haut. Nickel. Donc là, si j'ai besoin de récupérer ma vie, je peux utiliser le fromage en fait. Donc ça vient d'accélérer la vitesse en fait du tempo. Partir sur le suivant, hop. Nickel ici. Fromage, c'est la vie. C'est un peu ça. Et salut Casca. Donc là ici, hop, pour échanger contre de la life. Alors, c'est pas tellement rentable. Je sais pas trop à quoi servent ces bottes là. Badadala. Voilà, on va pouvoir aller voir ce qu'il y a au shop. On a 445 gold, c'est excellent. Ça, c'est
c'est bien. Down plus up. On va reprendre ça, hein. On s'en fiche. Donc on n'a pas encore fait la salle du boss, donc on va y aller. Enfin la salle du mini-boss. Voilà, nickel. Et on va partir. Voilà, nickel. On a réussi à le tuer, c'était pas un des boss les plus durs. Mais on va rester un petit peu pour cette musique de ouf. En plus de ça, vous avez un timer pour tuer les boss, donc c'est pour ça que ça rappelle aussi Spelunky. Donc Spelunky, vous avez 2 minutes 30, là je sais pas, là, c'est le temps d'une musique, donc sûrement 3-4 minutes.